Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'inspection de la FLOEV. On regarde comment le nucléaire s'est adapté dans la FLOEV. Bon visionnement à tous! Donc, première chose, on va laisser savoir aux filles qu'on arrive. Elles n'ont pas touché au pâté de pollen. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'elles n'en ont pas besoin. Lorsqu'on leur donne le choix, les abeilles vont toujours préférer le vrai pollen au pollen artificiel. Donc, le fait qu'elles n'en ont presque pas mangé, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elles n'en ont pas besoin. Donc, on va regarder la FLOEV. Si les abeilles se sont bien adaptées. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'apiculture, là, c'est vraiment collé. À chaque semaine, les abeilles recollent tout avec le propolis. C'est une substance que les abeilles font, c'est comme de la colle. Et elles collent vraiment tout avec ça. Elles vont sceller toutes les craques. Donc, ce cadre-ci, est vide. Il y a du pollen un peu dessus. Mis à part ça, rien. Je regarde voir s'il n'y a pas des œufs, il n'y en a pas. C'est correct. On est vraiment dans les cadres de rive. Donc, c'est correct. Donc, le dernier cadre qui était dans la ruche avant qu'on mette le nucléaire. Oh, elles ont emmagasiné beaucoup de sirop. Donc, vous pouvez voir, ici, il y a du pollen. Là, c'est du sirop en haut. Du sirop ou du nectar. C'est très bien. Pas d'œufs. Dans ce cadre-ci, des réserves, c'est correct. Le premier cadre qui est venu avec le nucléaire. Des réserves encore. Je vois pas d'œufs. C'est tout un peu inquiétant. Donc, ici, on a des larves, du couvain operculé, donc des bébés abeilles prêtes à naître, et des larves de ce côté-ci aussi. Oh! Deux cellules de remérage dans le bas du cadre. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Regardez. Vous pouvez voir les deux cellules de remérage qui sont dans le bas du cadre en bas ici, là. Il n'y a pas d'œufs dedans, mais je vais quand même les éliminer là et là.
même si je n'ai plus de reine dans cette ruche-là, en admettant que je n'en ai plus, je vais en commander une. Je ne vais pas leur laisser s'en faire une. Lorsqu'on leur laisse s'en faire une reine, ça prend environ un mois, 30 jours, avant que la reine commence à pondre. C'est beaucoup trop long pour une ruche de cette grosseur-là. Ici, on a des bébés abeilles, des larves. On n'a pas beaucoup de larves, on n'a pas beaucoup de bébés abeilles. Donc, ça m'inquiète un peu. On va aller voir sur le prochain cadre, qui est le dernier cadre qui venait avec le nucléi. Oh, bingo! Oui! On a des jeunes larves. Je vois pas d'œufs, malheureusement. Malheureusement, je vois pas d'œufs. Ça m'inquiète. J'ai pas vu d'œuf encore. Au maximum, j'ai des jeunes larves. Ce qui n'est pas un bon signe nécessairement. Si je vois pas d'œuf, j'ai probablement plus de reines. C'est un cadre de réserve. OK. J'aime pas ça du tout. J'ai pas vu aucun œuf dans toute mon inspection. J'aurais espéré que ce soit sur ce cadre-là. Je vais revérifier. Je vais m'assurer que j'ai pas d'œuf. Là, on va aller un peu plus vite. En même temps, je cherche ma reine, là. Je fais pas juste chercher des œufs, je cherche vraiment ma reine, là, ce coup-là, là. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. C'est pas une ruche qui va exploser bientôt. Mmh.
vois pas ma reine. J'ai pas d'œuf. J'en ai pas vu encore sur mon deuxième passage. Là, maintenant, je cherche vraiment ma reine, là. J'aime pas ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Pas un bon signe. D'accord, j'ai fait deux passages, j'ai pas vu ma reine. Je reviens demain pour refaire une autre inspection comme il faut pour essayer vraiment de trouver ma reine. Donc, on est 24 heures plus tard. C'est pas l'idéal de rouvrir la ruche deux fois dans la même semaine. C'est sûr que ça va les rendre un peu plus agressives, mais il faut que je trouve ma reine. Je veux absolument savoir s'il y a une reine dans la ruche, donc je veux trouver soit des œufs, soit ma reine. Donc je me suis donné 24 heures, le temps de la journée est différent, beaucoup plus tôt le matin. Maintenant, le but aujourd'hui, c'est de trouver des œufs ou la reine. Simplement ça. Bon, on y va. On laisse savoir aux filles qu'on arrive. Donc, je vais commencer par regarder sur mon entrecouvert si ma reine n'est pas là. Première étape. Là, je prends vraiment mon temps. Parce qu'il est primordial aujourd'hui que j'essaie de trouver ma reine. Donc, elle n'a pas l'air d'être sur l'entrecouvert. Je le mets de côté. Là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais même sortir les cadres de rive. Parce que, comme je vous dis, c'est primordial que je trouve ma reine ou que je trouve des œufs. Sinon, j'ai une ruche orpheline. Il faut que je rajoute une reine dedans ou que je leur donne des œufs pour qu'ils puissent se faire une reine. Absolument rien dans ce cadre-ci, de ce côté-là,
Ma reine n'est pas là. J'ai rien dans ce cadre-ci. Pas d'œuf. Je vais maintenant sortir mon cadre de rive que je fais très rarement. Pour l'inspecter, c'est des ressources, c'est du sirop et du pollen. La reine n'est pas là-dessus. La reine ne se trouvera généralement pas sur les cadres de rive. Elle va toujours se tenir dans le milieu, mais je veux vérifier quand même. Donc, on voit qu'il est plus tôt, il y a plus d'abeilles dans la ruche. Pas d'œuf. Pas de reine sur ce côté-ci. Du sirop. Des ressources, pas d'œufs. Pas de reine. Prochain cadre. OK. Une reine est ici. OK, j'ai trouvé ma reine. Il devrait y avoir des œufs sur ce cadre-ci. Pas content. Je l'ai isolé. OK, j'ai une reine. Donc, on ne va pas réintroduire une autre reine. Et on va arrêter l'inspection ici. Je vais vous montrer la reine. Je l'ai isolée dans une pince à reine. Je ne sais pas si vous pouvez voir la reine. Là, elle est avec une ou deux abeilles. Elle est avec une abeille. Vous voyez que la forme est complètement différente. Elle est beaucoup plus longue. Donc, c'est ma reine. Elle est là. J'ai une reine. Donc, j'arrête l'inspection. Je lui donne une semaine. Peut-être qu'elle a arrêté de pondre à cause de la température. Je vais la libérer. Et voilà, elle est partie. Bon, tout est bien qui finit bien. J'ai une reine. Elle est là. Elle a peut-être arrêté de pondre parce que il a fait trop froid cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles dans cette ruche-là. Mais c'est terminé. On va pas plus loin. On n'a pas besoin de les déranger plus que ça.
c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément. Et à la prochaine!